Avec notre arrivée à Portbou, c'est la clôture de notre transpyrénéenne franco-espagnole. Tu nous as peut-être suivi dans ce road trip, à la découverte ou pas, de ce magnifique massif montagneux. La météo nous a parfois joué des mauvais tours. Ça pimente et ça fait partie du voyage. Mais nous avons encore gravé dans notre esprit des moments uniques. Par exemple, le Tourmalet avec la lumière du petit matin. C'est quelque chose. Après un tel road trip, pas question de rentrer en direct à la maison. Nous allons un peu jardiner à travers les Corbières, mais aussi en Occitanie, en Auvergne. Et là, la météo sera de notre côté. Enfin, pour l'instant, on continue à longer la Grande Bleue. Départementale 914 est des plus plaisantes et, ce qui est rare, assez peu fréquentée pour l'instant. Et c'est une bonne chose. Tournicotante à souhait, elle offre aussi une vue magnifique sur la Méditerranée. Si tu as le temps, je te conseille de bifurquer à droite à l'entrée de Port-Vendres pour passer par Collioure, magnifique village. Pour notre part, nous tracerons directement vers Argelès. C'est que nous avons rendez-vous avec le massif des Corbières et il est hors de question d'arriver en retard. Nous venons de laisser la Méditerranée derrière nous, direction Amélie-les-Bains. Ces lauriers roses en fleurs, ce ciel bleu, nous font vite oublier que ce n'est pas le tronçon de route le plus sexy de la journée. À partir d'Amélie-les-Bains, nous retrouvons une route plus à notre convenance. La D618 nous conduira jusqu'au col de Xatar, où nous tournerons à droite, direction... Ah, je sais pas si je dois le dire, car forcément j'ai mal le prononcé. Enfin tant pis, hein, je me lance. Baye Stavi, par la D13. Pour rejoindre Vinça ou Vinça, je ne sais pas. Bon, les locaux, vous me direz en commentaire. Par contre, il y a une chose que je sais. C'est qu'entre Amélie-les-Bains et Vinça, si l'heure du déjeuner approche, prévois ton pique-nique. Car tu vas avoir du mal à trouver un resto ouvert ou autre petite épicerie. Et il faut un peu de temps pour faire ces 60 km qui n'arrêtent pas de tourner. La route est un peu défoncée, pas très propre, avec des graviers. Mais elle offre un très joli panorama, avec, en contrebas, une petite rivière, dont je ne vais pas dire le nom, histoire de ne pas me fâcher avec tous les Catalans de la région. On se fait une petite pause avant de rejoindre la Nationale 116 qui est toute proche. Il est 13h30, on n'a toujours pas mangé, et les réservoirs des motos sont bientôt vides. Je ne sais pas ce qui est le plus gênant, mais va vite falloir solutionner tout ça. Et ça ne traîne pas, car juste avant Prades, à Marquichane, se trouve un petit resto, le Bistrot de la Gare. Et la patronne accepte de nous servir malgré l'heure tardive. Nous voilà repartis, l'estomac bien rempli, et idem pour les motos.
Malgré les nuages, la température a fait un bond vers le haut et j'ai profité de la pause déjeuner pour enlever la petite doublure du blouson et enfiler les gants d'été. Il nous reste 90 km à faire cet après-midi pour rejoindre notre hôtel, situé à quelques kilomètres avant Saint-Paul-de-Fenouillet. On commence par récupérer la D14, direction Mossé, charmant village perché. Au col de Joux, nous quitterons le département des Pyrénées-Orientales pour celui de l'Aude, pour passer par les gorges de Saint-Georges. Et un peu plus loin, par les gorges de Pierre-Lys, par la D117 cette fois-ci. Après avoir rejoint Quillan, il restera à tracer jusqu'à notre hôtel à Saint-Paul-de-Fenouillet. Au fur et à mesure que nous approchons du col de Joux, je vois sur mon tableau de bord la température perdre des degrés de façon exponentielle. Pas besoin de cette indication pour me rendre compte que ça caille et je regrette amèrement d'avoir enlevé les doublures de mon blouson. Un épais nuage bien humide renforce cette sensation désagréable. Je me dis que comme d'hab, passé le col, on va vite récupérer la chaleur que nous avions lors de notre déjeuner et je vais faire avec. Du reste, Eric, qui ne doit pas avoir bien chaud aussi, file devant sans s'arrêter. Pour info, je roule avec un blouson d'été Ixon, véritable couteau suisse avec sa doublure étanche. Et associé avec un gilet technique BMW, il répond parfaitement à mes attentes. L'année dernière, lors de notre RGA, la route des Grandes Alpes, j'avais souffert de la chaleur, avec ma veste Revit en Gore-Tex, pourtant très ventilée en ouvrant les aérations. Pas simple lors d'un road trip de couvrir une amplitude pouvant dépasser les 30 degrés sans emmener une tonne de vêtements. Pourtant, le nom d'un petit monastère bâti à proximité, les gorges de Saint-Georges ont été creusées par le fleuve Aude il y a bien longtemps et font partie des gorges de la vallée de l'Aude. 300 mètres de longueur, à peine 15 mètres de large et des falaises abruptes de 150 mètres de chaque côté. Très impressionnant. Même pas 10 minutes plus tard, ce sont cette fois-ci les gorges de la Pierre-Lys, aussi appelée défilé de Pierre-Lys. Ce canyon est bien plus long que celui de Saint-Georges, puisqu'il fait 2 km, à peine moins étroit avec ses 20 mètres. Par contre, les falaises qui l'entourent atteignent parfois plus de 300 mètres, rendant ce site naturel incontournable si vous êtes dans le coin. Alors que nous traversons Quillan, je pensais que les 30 km qui nous restaient jusqu'à l'hôtel seraient sans grand intérêt. Quelle erreur! Et j'ai compris pourquoi Eric avait tracé le roadbook par la D109 et la D9, quasi déserte, qui allaient nous offrir des paysages sauvages sublimés par une lumière un peu bizarre entre nuages et soleil. Notre hôtel se situe à quelques kilomètres de Saint-Paul-de-Fenouillet et dans un premier temps, nous avions envisagé d'aller y faire un tour après avoir réceptionné nos chambres.
Mais une grosse flemme s'empare de nous et on préfère buller en se promenant à pied autour de l'hôtel, en flemmardant au bord de la piscine, en attendant l'heure du repas, puisque nous sommes en formule demi-pension. Et la soirée se passe, cool, en échangeant entre nous sur nos ressentis de cette journée de roulage bien agréable. Et c'est avec un temps magnifique et une belle lumière que nous quittons notre hôtel, qui a l'énorme avantage de se situer à seulement 7 km de l'entrée des célèbres gorges de Galamus. Is it alright if I don't wanna feel obliged in any way? Situé entre le pays catalan et le pays Qatar, sur les départements de l'Aude et des Pyrénées-Orientales, les gorges de Galamus sont un site classé et protégé. Ce sont les eaux de l'Agly qui ont creusé ces parois calcaires sur plus de 500 mètres de profondeur pour rejoindre la Méditerranée. La route des gorges, témoignage des prouesses et des ambitions humaines, a été construite à la fin du 19e siècle, directement taillée dans la roche à la barre de mine par quelques ouvriers suspendus à des cordes. Compte tenu de l'étroitesse de la route, une circulation alternée est mise en place l'après-midi en juillet-août. Mais l'attente maximum ne dépasse pas normalement un quart d'heure. À vérifier quand même avant de les emprunter sur le site des Gorges de Galamus dont je t'ai mis le lien en description. Is it alright if I stay today? Is it alright if I stay today? 267 km à faire aujourd'hui pour rejoindre notre étape du jour à Sainte-Afrique, situé dans le département de l'Aveyron, en plein parc naturel régional des Grandes Causses. On remonte donc plein nord par des petites départementales sélectionnées par Eric, pas toujours au revêtement nickel, mais qui offrent des paysages sauvages à la végétation riche et variée. Stay today. Is it alright? On a du mal à trouver un bar ouvert. Eric est inquiet. Et je le comprends, mon taux de caféine est au plus bas et ça a pour conséquence une détérioration nette de mon humeur. Je prends sur moi, je m'accroche et tant pis, on continue. Decide but change my mind, is that okay? Et voilà, après cette petite pause, je me sens à nouveau d'attaque, prêt à affronter la suite de la journée. Nous allons passer à proximité de Carcassonne, un peu à l'est. Ça va être un petit peu plus roulant jusqu'à Cosne-Minervois, où là, ça va revenir tournicotant à souhait. À Situ, nous sommes rentrés dans la forêt domaniale des Soulances de Nord. On passera le col des Salettes où nous quitterons le département de l'Aude pour celui de l'Hérault pour prendre la direction du roc Suzanou et de son magnifique point de vue.
Alors, elle est pas belle notre France ? Et attends, ce n'est pas fini. On continue sur la D920 vers le col de Serrières, puis ce sera le col des Husclas. Toujours en direction de Saint-Pons-de-Thomières où nous projetons de déjeuner. Nous arrivons à Saint-Pons-de-Thomières et on sort un peu de notre itinéraire pour trouver un resto. Et ce sera le France, où est déjà attablé un groupe de motards. Et c'est aussi la fin de la première partie de notre voyage retour. Tu as envie de connaître la suite ? Le col de Cabaretou, magique, où nous allons nous faire plaisir. Le département de l'Aveyron, sauvage, que nous traverserons. Et puis ce sera l'Auvergne, avec le Cantal. On aura quelques surprises côté hébergement et quelques déconvenues aussi avec l'un de nos itinéraires. Bon, tu connais le discours. Si tu ne veux pas rater la suite, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait et surtout, clique sur la petite cloche pour recevoir la notification. À très bientôt les amis.